que les voitures de rallye. Il y avait des voitures de rallye, dommage. Ah bah si, il y en a une là. Regardez. Pourquoi on prend des voitures de rallye? Je sais pas si venait de. Il y a beaucoup de. Ah, mais il y a un foot là en plus. Je sais pas si ça vient. Non, c'est un truc de foot, mais je pense que ça vient de plus loin. Là, tu voulais y aller? Non, non, pas forcément. C'est du foot, c'est une podcast. Non, c'est des voitures de rallye qui m'intéressaient, mais elles vont nous en face. On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser. Comme des nomades enflammés, ayant caché, j'ai retrouvé. À la recherche de liberté, j'ai caché, j'ai retrouvé. Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, j'ai caché, j'ai retrouvé. Nous sommes enfin prêts à rêver, j'ai caché, j'ai retrouvé. J'ai où trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête, vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, j'ai où caché, j'ai retrouvé. Vous apportez de la gaieté, j'ai où caché, j'ai retrouvé. Allez, venez, venez vous amuser, j'ai où caché, j'ai retrouvé. Petite vidéo improvisée, la preuve, je suis mal coiffé. Et je suis pas tout seul. Je suis avec Santo de Janeiro. La 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 la. Et puis aussi Dolly qui est en train de faire sa pisse. Est-ce que je la filme en train de faire sa pisse? Non, je suis pas méchant, hein. Voilà, alors je vous passe devant. Et puis regardez, on est dans un endroit assez sympa avec Dolly qui court. Et surtout, on vient voir une tour qui s'appelle la tour de Saint-Trifon. La tour de Saint-Trifon. La tour, prends garde la tour, prends garde la tour. Voilà, tour de Saint-Griffon. Griffon ? Trifon. Trifon, c'est pas Griffon d'or. C'est parce qu'il dort pas. Alors ma dodo. Alors. Oh, elle est contente. Attention, ça peut glisser. Voilà, on vient là et il y a quelque chose de spécial ici, une histoire. Certainement, je ne l'ai plus, mais là-bas il y a un truc intéressant, regardez. Une histoire, monsieur. Oh, c'est marrant, ça c'est un quoi, c'est une ancienne ancienne arme, je pense ça. Connaissez-vous ça? Quelque chose dessus, c'est marrant ça, un trébuchet peut-être, ou on dirait un trébuchet. On va trébucher. On peut passer par là. Ah ouais, ah ouais, regardez si c'est sympa cette zone de pique-nique. Bon, il y a des gens qui connaissaient les saloperies, hélas. Ah bah bravo. Ah, c'est bien des Suisses ça. Par quoi? Bah là, le cours, donc peut-être là. Ce que j'aime beaucoup en Suisse, c'est les endroits de pique-nique comme ça où on peut faire des grillades, c'est génial. Regardez ces grillades, elles sont sympas. Tu montes, Dolly, monte, Dolly, tu montes. Oui. Tu montes, Santo, tu montes. Alors Santo, il va nous faire la démonstration du grill, comment il monte et il descend. Voilà. Alors là, je filme avec le téléphone de Mamie Nomade. Ah déjà, c'est bien, vous pouvez le mettre sur le côté pour quand il... pour pas que ça chauffe trop. Non mais c'était pas mal, c'était juste pour montrer. Bah il faut juste faire ça, puis après tu... Mais il est au maximum déjà. C'est pas mal hein, vous en pensez quoi? Il y a énormément de trucs comme ça en Suisse, dans l'endroit où vous pouvez griller. Je trouve c'est génial. Je cherche un stylo. Ah, pourquoi il va-t-il chercher un stylo? Et il y en a un qui ont laissé leur charbon là, regardez. Voilà, même en Suisse, il y a des personnes qui laissent des saloperies partout, voilà. Donc je tenais à le dire. Bon après, à leur décharge, bah sinon j'allais dire à leur décharge, il n'y a pas de poubelle, si, il y en a une là-bas. Donc pas à leur décharge, franchement c'est vraiment pas bien de faire ça. Après c'est peut-être des Français, hein, on sait pas, hein. Voilà. Non mais je vais le jeter à peu près par terre, hein. C'est juste pour faire semblant pour la vidéo que je le mets à la poubelle, parce qu'on est des bons nomades, on va à la poubelle. Non, alors le truc qui est dans le barbecue, l'espèce de grille, ça je le laisse, parce que ça peut resservir. Par contre les détritus, là il y a une poubelle juste à côté, je comprends pas qu'ils l'aient pas mis à la poubelle les gens, parce qu'en repartant c'est sur notre chemin, donc... C'est un peu débilos. Enfin voilà, nous on le met à la poubelle. Garder le sac. C'est comme tu veux, en souvenir. Ouais. Bon, on garde le sac.
Et du coup, on va aller par là-bas après, c'est ça? Ouais, là-bas. Et je pense qu'il y a une. Ah, là-bas. Par en bas là-bas. Parce que je pense qu'il y a une géocache s'il nous a dit qu'il allait chercher ce stylo. Ouais, je suis plus sûr, ah, il y a quelque chose par terre. Ah, ah non. C'était dedans, je pense. Voilà. Tu montes, Dali? Tu montes? Oui, c'est bien, ma fille. Elle est belle. Elle a hésité, c'est pour ça. Santo, j'ai fait la course avec toi. Je suis contente. Je suis Dodo. Alors, on l'a vraiment mis à la poubelle parce qu'on va pas le récupérer vu qu'on l'a mis à l'intérieur de la poubelle, ça serait un peu couillon. Donc, vous inquiétez pas, on a fait le ménage, on l'a vraiment fait quoi. C'est pas pour la vidéo. Moi, ce petit chemin, j'aime bien. Donc, cette vidéo sortira à peu près dans un mois. Non, alors, il y a 3, 4, 5 vidéos à passer avant normalement. Bah, il y en a 3 de Santo. Ouais. Une peut-être qui partira, qui sera demain. Peut-être. Enfin, pas demain dans la vidéo. Hein. Enfin, voilà, voilà, vous voyez. Ah, regardez ces petits coins là. Oh. C'est mignon ce petit coin sauvage comme ça. C'est mignon ce petit sauvage là comme ça. Ah, mais elle est à contre-jour, c'est dommage. Ah, ouais, mais bon, ah, on peut pas tout avoir. Hein. Si. Mais c'est plus cher. Alors, est-ce que vous aimez bien en fait les vidéos où Santo me devance? Si vous voyez ce que je veux dire. On va non, on voit surtout ton popotin, comme tu disais, arrêtez de montrer mon popotin en vidéo. Voilà, mettez un pouce sur le popotin de Santo. Et il s'en va comme un bouquetin. Ah, d'accord, il y a un autre endroit ici. Alors, je vais vous dire quelque chose pendant qu'il n'entend pas. C'est qu'en fait, je fais exprès de pas couper la vidéo parce que bah, quand je suis avec lui, c'est lui qui fait les montages. Donc, ça va lui faire du rush. Ah, feu interdit. Chapelle Saint-Blaise. Ah, ça vous rappelle quelque chose là quand il a voulu monter? Si vous vous rappelez, dites-le en commentaire. Bah, c'est moi qui commente. Et alors, attention, on va faire un nouveau truc, c'est qu'il y aura plusieurs mots dans les vidéos qu'il faudra dire dans les commentaires pour voir si vous suivez. On en met combien aujourd'hui dans la vidéo? Attends, il y a combien d'endroits qu'on va aller voir? Les trois, là. Eh ben, un par endroit. Ok. Donc le premier, c'est toi qui choisis le premier mot. Balèze. Balèze, d'accord. Balèze, c'est pas mal, Balèze Blaise. Ah, c'est joli ça. Vas-y, mets les bras en l'air, tu te mets devant. Et tu mets les bras en l'air, genre, waouh! Vas-y. Voilà, ça peut faire la miniature. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense pas! Et donc là, il y aurait un écho? Non, ça marche pas. Si, si, si. Écho! 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 On peut? Ah, il y a un banc! J'ai fait la photo exprès de Zo. Que j'embrasse. Ti voglio bene ormai. Enfin, c'est là-bas qu'il faudrait entendre si ça fait. Là-bas. Ça la fatigue, la chienne. Ah si, il y a un écho. Écho. Écho, écho. La 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 Bah pas vieux quoi. Allez, on va aller voir Santo de Janeiro. Et c'est par là qu'il y aurait une géocache? En tout cas là vous avez une vue sympa. Oh, il y a des gens qui sont garés là, je sais pas ce qu'ils font. Un âne. Bon, vas-y, c'est un âne toi-même. C'est joli cet endroit là, regardez ça, cette vue. C'est joli cet endroit, hein. Cette vue là. J'aimais bien. Ah,
derrière c'est toi là avec Deli. Puis moi je vais prendre la photo depuis le poste que j'avais fait avec Flash. D'accord. Donc moi j'ai dû poser l'appareil. Ok. Tu montes Deli, tu montes. Deli! Ecco! 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 C'est bizarre, j'ai l'impression d'être surveillé. Je sais pas comment ça se fait, j'ai l'impression d'être surveillé. T'as vu, il y a une tente, toi ouais. Qui, que tu puisses mettre sur le dernier mode. C'est-à-dire ? Bah en fait, si tu veux, on dirait qu'on va passer la porte des étoiles ou je sais pas trop quoi. Si tu veux, sur l'autre appareil, quand j'appuie vite fait sur un bouton, ça va sur le dernier mode ouvert. Donc si je t'attends en vidéo, ça se met en vidéo. Là, ça se met sur photo, c'est chiant. Fois, ouais. Tu pourrais nous attendre pour visiter Dolly. T'es mignon, mais t'es une toute petite bretonne. Alors d'ailleurs, on est au deuxième endroit. Attention Santo, quel est le deuxième mot ? A few hours later. Lierre. Lierre ? Lierre, à cause de... Ah non, voilà. J'ai pas d'inspiration. C'est très bien, c'est une bonne inspiration. Inspire. Inspire mon lapin, inspire. Ça sera une transition trou de nez. Ouais. Ah, c'est dans le nez. Ouais. Bah, c'est là où c'est ce que inspire. Tu fais. Tu fais. Inspire. 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 Ah, ouais. Et en même temps, c'est normal. Tu fais que éternuer, alors c'est normal que ce soit dans les trous de nez. Hein. Oui. Alors, t'as quelque chose à nous montrer ? Dolly. Dolly ? Elle y va. Ça, tu vas où, Dolly ? Vraiment, elle inspecte tous les endroits. Ah, peut-être là. Peut-être. Non, ah si, faut monter, mais avec le truc du drapeau. Oh merde. L'entrée, elle est juste là-haut. Ils ont enlevé les chaînes. Il y a des chaînes. On peut passer ce mur-là. Tu regardes par là, je regarde par là. Alors, il y a beaucoup de tours en Suisse où on peut monter dedans, mais celle-là n'en fait pas partie. Hélas. Mais bon, c'est joli quand même, hein, ça n'enlève pas à sa beauté. Ah, par contre, là, il y a un trou là. Peut-être qu'il y a une entrée souterraine. Peut pas y avoir une entrée souterraine ? Non, je pense pas. Je pense pas. Je suis pas certain, ça veut dire. Ah, Dolly, tu nous emmènes au vent. Hein. 360. Ah, il y a des petits escaliers dans l'herbe là. 360 mètres. Alors, à 360 mètres, il y aurait une cache. Donc, troisième endroit, hein, c'est ça ? Oui. Néerlandais. Ah, c'est mignon là, tu me mets une petite tente là. Ah, j'ai pas donné à boire. En plus, il y a plein d'endroits pour. Bon, retour. Plein d'endroits pour se mettre avec un petit banc. Moi, elle boite un peu. Non, elle aime bien tortiller du cul. Non, c'est devant, comme ça, vu que tu connais pas. Bon, écoute. Ah, fais comme ça ? Ouais, peut-être. Elle arrondit plus le pas à gauche qu'à droite, c'est ça que tu veux dire ? Alors j'aurais pas su dire de quel côté, mais oui, en tout cas. Non, ça va. Viens, vas-y, t'approches-toi. C'est genre, vas-y toi.
Ah bah c'est toute la regarde. Aligné. Attends, je vais essayer d'aller. J'ai pas... Allez, vas-y toi. Regarde. Et si je fais ça. Je suis surtout à côté de cet endroit, regardez cet arbre qui s'est cassé la figure là depuis la falaise, là c'est hallucinant. Et on a les vaches qui sont juste de ce côté là, qui sont vraiment attirées par Dolly je pense. Et du coup on va quand même vous donner le troisième mot. Un mot suisse, tiens, t'as un mot suisse qu'on dit pas en France? Là je dis les veaux là, les... Génisse. Ouais, voilà. Génisse. Alors je veux pas, c'est pas parce que t'es noir, mais t'es noir sur la vidéo. Hein. Ce téléphone là, oh oui, il est hallucinant ce téléphone là. Il fait vraiment noir. C'est, je suis désolé. Tiens, on est à contre-jour. On va essayer de voir Santo mieux. Ah oui, voilà. Voilà, ça sera génisse. Oh là, c'était très clair du coup pour le coup. Donc ça sera génisse le mot. Voilà, génisse. Je sais pas comment elle s'appelle. Vous l'appelleriez comment? Vous allez donner-lui un nom à elle qui est toute seule. À mon avis, c'est parce qu'elle a des flatulences. Et du coup, elle est toute seule. Bruno Solo. Bruna Sola. Bruna Sola. Sola ou Sala? Sala. On dirait Dolly quand elle est trop. Une jolie robe celle-là. Oh, t'as une jolie robe. Bon ben voilà. C'est pas une vache, c'est un. Les petits oiseaux d'abord, regarde. Bon ben du coup, changement de programme, c'est que en fait cette partie fait pas partie de la pâture. Il y avait un fil mais il n'était pas électrodéculotté, donc j'ai touché pour vérifier. Voilà, il n'y avait pas d'électricité, donc on a pu passer parce que c'est Dolly, elle s'est fait déjà électrocuter 2-3 fois, elle avait peur. Donc j'ai préféré regarder, toucher avant pour être sûr que c'était pas électrifié. Et c'était pas électrifié, donc du coup bon, on a pu. Mais il y aura une pâture dans pas longtemps quand même, hein, parce qu'il y a le. Il y a l'abreuvoir, là, enfin il y a la tonne à eau. Ouais. Mais bon pour l'instant, il n'y en a pas. Donc on a pu passer. On n'est pas là où il y a les vaches, bien entendu, c'est pour ça que je libère Dolly. Et qu'elle va pas s'échapper du champ parce qu'elle a peur des fils électriques. Et je vois qu'il y a un arbre où il y a un truc bizarre. Est-ce que ça serait ça? Non. Parce que regarde. Regarde, il y a une limace. Regardez le caillou là. Là, si c'était dans le coin, on pourrait se dire, mais il y a quelque chose là. Mais non. Il n'y a rien. 120 mètres. 120 mètres. Voilà, tu dis ça pourquoi hein? En tout cas, c'est très gros caillou ici, c'est joli. C'est joli. À la maison, elle est juste là, la maison du monsieur. Il est en train de se faire un petit chalet. Mais à mon avis, je pense que c'est pour l'alpage, enfin pour les vaches. Regardez ces cailloux partout, c'est super joli. Et puis s'il faut, c'est lui qui l'a fait, hein. Dolly. Ah ouais, là-bas, il y a une autre ruine. Alors je filme un peu tout le temps parce que je sais pas à quoi qu'est-ce qui va être sympa à voir. Dolly. Santo qui fait des photos. Je sais pas si vous voyez Santo, il lève la tête, regardez. En fait, les herbes sont tellement hautes là, elles m'arrivent jusqu'en haut de la tête pratiquement. Donc, on va aller vers la ruine qui est juste là, hein. Mais c'est haut, hein. Même Dolly elle a du mal à avancer. On a fait quand même pas mal de photos d'insectes. Et on est à la ruine.
Il y en a plein de quoi d'abeilles ? Des fleurs. Voilà, regardez. Alors, ce qu'il y a moins de grand angle sur cet appareil photo que sur celui que j'utilise habituellement sur. Enfin, il y a moins de grand angle, je veux dire, sur ce téléphone que sur celui que j'utilise habituellement. Donc, c'est pas facile en fait, faudrait prendre plus de recul. On va faire le tour de la cabane déjà. Apparemment, il y aurait une géocache. Alors, j'ai rien regardé du tout, hein. Je peux pas dire du tout où c'est que ça peut être. En fait, j'ai même pas regardé l'application. C'est Santo qui m'a dit qu'il y avait une cache par là. Et clairement, je n'ai pas regardé du tout. Donc, je sais pas si c'est à l'extérieur, à l'intérieur. Bon, après, il y a des cailloux comme ça, ça pourrait être ça. Hein. Mais non, apparemment, non. Là, c'est juste des cailloux qui sont tombés. Après, ça pourrait être comme ce caillou-là, par exemple. Mais c'est pareil, c'est des cailloux qui sont tombés. J'attends même pas Santo, je suis pas gentil. Hein. Il est tellement occupé, Santo, à faire des photos. D'ailleurs, il va découvrir ce passage où je parle de lui, à un moment donné, parce que bah, il est pas avec moi. Ça pourrait être par là, hein, par exemple, là. Mais je sais pas. Donc, on va attendre Santo, on va attendre le gentil Santo qui nous disent vers où c'est. Ah, regardez, j'ai une petite. Je sais pas où c'est que c'est. Ah, bah, je l'ai plus sur moi. Ah, regardez ici. Petite bébête qui court sur moi, je sais pas ce que c'est. Bon, ça court vite, hein. T'as vu quoi? Ouais, mais par contre, faut savoir où c'est, hein. Hein? Ah oui? L'arnaque. Alors, à mon avis, c'est sous les cailloux. Ou dans des trous comme ça, c'est possible hein, que ça soit dans des trous comme ça. Vous voyez? Mais moi, j'ai pas regardé du tout l'application, donc je peux pas dire. J'ai pas vu l'indice, j'ai pas vu où c'est que c'était. Ouais, non, mais j'ai regardé, c'est compliqué, hein. Ah non, c'est que des cailloux partout. J'ai regardé, c'est plusieurs cailloux, mais. Non, c'est parce qu'il y a des ronces à mon avis. T'as qu'à passer par où je suis passé moi. Le seul indice que tu peux me donner, c'est quoi? Aïe donc, ça pique. Je pense que Dédé elle est pas loin. Ah. Elle est obsédée de ce côté. J'ai été regardé de ce côté, mais. Okay. Mais j'ai pas bien regardé, peut-être. En fait, vous voyez, faut pas enlever les cailloux, ça. Non, non, faut pas. Hein. Ah ouais, dans les murs, hein, c'est pas bien dans les murs. Ah ouais. C'est pas bien dans les murs, je le dis au monsieur qui a mis la. Hein, c'est pas bien dans les murs. Alors, bon, il y a le nom. Du coup, il y a le signe géocaching. Je peux même pas montrer parce que j'ai pas de grand angle sur ce. Nous sommes en juin. Le premier? Dolly, on m'appelle. Elle est contente de cette balade, hein. On veut oui. Hein. Tes souhaits, à tes amours. Avec tout ce que t'éternues, tu dois en avoir des amours, hein. Moi. Voilà. Et une super clairière là. Regarde, c'est trop beau. Voilà. Et regardez s'il y avait un petit chalet là, si ça serait sympa avec cette vue. Ah là 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 là, on domine le monde. Hein. C'est magnifique. Hein. On pourrait dire, Dieu s'est penché sur le rebord du monde et voir ce que les gens en ont fait. Et... avec son yinche. Voilà. Tu vois, avec l'autre appareil, je pourrais te prendre en photo et prendre deux lits en même temps. Avec celui-là, je peux passer où toi? Le grand angle. Ouais, ah ouais. Celui-là, il n'a pas de grand angle. Ouais, c'est de la pas toi, parce que tu ne pas trop bien. Si c'est pas quitté là. Belle descente, hein.